Les députés européens, ils viennent des partis politiques nationaux ou européens? Attends, je comprends plus rien. Pourquoi c'est si compliqué? Bon, je refais le point avec toi, il ne faut pas confondre le parti national, le parti politique européen et les groupes politiques du Parlement européen. On connaît déjà bien les partis nationaux. LFI, République En Marche, Rassemblement National ou encore Europe Écologie Les Verts, on en parle tous les jours. Mais les partis européens, eux, sont des regroupements de partis nationaux présents dans plusieurs États membres. Par exemple, le Parti Socialiste Français est affilié au Parti Socialiste Européen. Un parti national peut adhérer à un parti européen, ce qui lui permet d'accéder à des fonds de l'UE et de bénéficier d'un soutien pour les campagnes électorales européennes. Les groupes politiques du Parlement européen sont eux des groupes formés directement par les députés européens élus après les élections. Quand tu iras voter en juin, dis-toi que le point de vue d'un groupe national ne correspond pas forcément à 100% au point de vue du groupe politique du Parlement européen. Renseigne-toi sur les candidats, leurs idéologies et ceux qu'ils défendent, car au final, c'est eux qui voteront pour nous. Ton vote compte énormément, alors utilise-le bien.